sûr. Et nous comptons jeudi à ce que vous êtes présent pour vous répondre à l'invitation que nous avons fait pour nous faire une conférence de presse. Mais sous question de Café Trio. Jeudi à 2 ans après, il y a un peu de monde qui a oublié l'événement Café Trio. Et Café Trio, c'était conférence qui a baillé pour jeunes dans le Cap le samedi 28 avril 2018. Conférence qui a baillé par sénateur La Tortue, sénateur Jacquito. Et pendant la conférence, il y a eu lancé deux grenades sur nous. Il y a des gens qui sont victimes. Non. Pendant l'événement, c'est M. Jacques Dubois. Il a fait tentative d'assassinat sur nous. Il y a pile de monde qui mourit dans la cause de question Petro-Caribéa. Et c'est peut-être ça, avant même que nous commençons à parler de l'événement, puisque nous avons une ordonnance de juge d'instruction qui sortit et qui tranchait sous question ça. Avant même que nous parlions, nous avons dit nous prenons une minute de silence pour tout le monde qui est tombé dans le cadre de Petro-Caribé, dans le cadre de bataille qu'il a fait pour le jeune justice pour question de Petro-Caribé. Voilà. Donc nous croyons que Jodia nous vient parler de ordonnance juge d'instruction, juge Vertilleran dans le tribunal au Cap Haïtien, tribunal première instance. Nous avons rappelé que la question Petro-Caribéa était menée en pile persécution politique. Mais ça va empêcher nous déplacer la commission éthique et anticorruption pour y aller tout côté pour expliquer aux jeunes qui ça qui Petro-Caribé. Et c'est comme ça que rendez-vous est cassé samedi 28 avril 2018 dans la cour au Cap, dans le Café Trio, côté que nous avons parlé dans le club Sahara, côté que nous avons rassemblé environ 2 à 3 000 jeunes. Et au niveau de commission, c'est moi, un sénateur Jacquito qui était présent. Pour nous parler de Petro-Caribé. En pile menace, c'est qu'on a fait, en pile par en pile, sous question Petro-Caribé, mais nous n'avons pas de pensée si monsieur est arrivé là. Puisque nous sommes entrés au Cap le vendredi 27 avril 2018, dans la soirée, et menace t'a fait jusqu'à ce que nous avons un collègue sénateur qui te dit, et que y a un pile groupe qui n'est pas content de question Petro-Caribé, il faut nous faire attention. Et c'est ça fait que nous demandons la police doubler de vigilance, mais nous avons rappelé tout le monde que nous-mêmes, nous sommes les gens qui ont courage. Les batailles, nous ne faisons pas battre. Les batailles, nous gardons les gens nager pour nous battre. Et c'est ça fait que nous demandons la police pour la responsabilité, et la police s'est dit assurer la sécurité, et nous-mêmes, le lendemain, samedi, nous te présenté sur les lieux. Pour te faire conférence, c'est la première fois que le club Café Trio te rempli comme ça. Moun de tous côtés, sous tête caille, en dans la cour, dans la porte, pour te venir entendre le rapport que la commission te rédigé sous cadre Petro-Caribé. Et pendant que la conférence t'a baillé, te grand allez, menevini, puisque la police te dit nous en sécurité, eh bien, nous te fait exposer nous. Et c'est l'un des fins fait exposer à, immédiatement, côté de campé à, nous avons pour la première question, nous avons voué deux grenades lacrymogènes directement dans la position côté de l'IA. Immédiatement, sénateur Jacques, qui était bon côté, nous avons déplacé, et moi-même, qui était une porte de secours, côté que pour nous te
justement qui arrivé et déplacé, eh bien là nous arrivé porte ça non seulement était fermé par en dedans, il était fermé par dehors. Et l'un des commencé conférence là, pas de gain aucun porte qui était fermé par dehors parce que la police te dit il y a trois monde en dedans, faut nous quitter porte de vacation ouvert. Et me te retrouver moi-même avec Jacques Dubois non espace de 4 mètres carrés, 50 monde et puis qui gon gaz lacrymogène que vous voyez en dedans espace là. Ça veut dire que pas de moyen pour on pas asphyxié, pas de moyen pour un monde pas de victime. Et c'est dans le cadre ça que M. Jacques Dubois, qui était asthmatique même j'avais, monsieur était tombé, il pas de respirer. Moi-même, c'est bon Dieu qui fait que nous là, je dis. Parce que normalement, moi pas de respirer tout côté intérieur. Et t'es comme des gens courus, t'es gagné environ une cinquantaine de monde dans cet espace-là. T'es gagné pile jeune qui t'a aidé à me sortir côté Nia pour que nous allions dans l'autre espace. Et immédiatement, après question, monde qui t'a commandité assassinat et tentative d'assassinat, toute la presse te connaît, tout le monde te connaît. C'était délégué départemental là, qui se représentant président pays. C'est lui, d'ailleurs, première déclaration que nous te joignons de même Mounsao de Yumi, nous te dit nous, c'est délégué départemental là qui voyait, parce que délégué a te dit que le pape quitté Yuri, sénateur la torture, fait conférence ça. Et vous avez choisi, vous avez tué. Immédiatement, nous avons porté plainte. La police a évacué nous. Mais, nous avons pile reproche pour nous faire la police. Puisque la police était dehors. Et puis, vous avez fermé la porte là, sous l'île dehors. Pas dehors, pendant que nous sommes dedans. Nous avons porté plainte. Et le juge a pris le dossier au sérieux. Juste là, tu commences à faire travail là, côté le terrain en pile monde. Jusqu'à ce que nous rappelions délégué qui c'est Antonio Jules, le Dekembe, le Garitel. Pouvoir te mettre toute bagaille dehors pour la gueule. Alors que juge là, tu as une preuve évidente. Je t'ai arrêté ni Yumi, ni Gendy Joseph, qui Timo, puisque c'est eux qui t'ont gagné. Ti France, puisque c'est eux-mêmes qui t'ont gagné. Grenade là et qui te voyé. Et je dis à ça nous, juge là dans l'ordonnance. Li établi, quand nous dit son ordonnance, qui gagne environ une cinquantaine de pages. Li établi, question assassinat et tentative d'assassinat, que délégué a fait, qui c'est Antonio Jules, qui c'est plus gros complice là. Yumi Toussaint, Gersley Joseph, Franz Casseus, il voyait tout le monde devant le tribunal criminel, sans assistance de jury, pour le juger, pour assassinat sur la personne de M. Jacques Dubois et tentative d'assassinat sur les personnes des sénateurs Yuri La Tortue. Jacques Sauveur Jean, Ewood Charnel, Johnny Antoine Gustave Bisley, Benjamin Mon Premier, Bernard Robinson, Albert Steve, Prophète Milouz, Jean Woody, Maud ainsi connu, et fils Wesley. Moi, ça a ouvert devant le tribunal criminel. Moi, je pense que l'ordonnance qui sortit son première victoire. La question Petro-Caribé. Parce que Jacques Dubois qui est victime crime de sang, c'est par rapport à la question de Petro-Caribé. Il a besoin de connaître ce qui est passé et il devine tendre. Et parce qu'il devine tendre, nos pays ont dit qu'il y a une démocratie, il a pris deux grenades pour être voyé sur le monde qui devine tendre. Pour être voyé sur le monde qui devine faire conférence. Ils ont persécuté nous pendant longtemps. Ils ont dit que ça va marcher. Pas oublier de offrir une corps.
Je te dis pour que nous changions données dans le rapport là. Cependant, nous ne pouvons pas faire. Et le 28 avril 2018, je te vini pour que je te éteigne souffle nous. Si je dis à dans le pays, ça, côté nous connaissons la justice, nous avons un juge qui prend responsabilité, nous dit chapeau babouli. Pour que lui fasse ordonnance dans la sortie. Et qu'on y en a suivi. Parce que l'ordonnance ça n'a pas de vérité comme ça. Il faut le tribunal là siéger. Il faut justice rendre. Je dis à petit Jacques Dubois, qui là, qui perd du papa. Il y a des gens qui sont handicapés à la question ça. Il y a des gens qui sont asthmatiques, qui viennent plus grave. Puisque je te retrouve dans une situation extrêmement difficile. Je dis à nous passer, comme nous sommes dit, son première victoire pour Petro-Caribé. Mais nous continuons la bataille, et quelle que soit la persécution politique là, pour nous gagner une grande victoire là. Parce qu'il faut une grande victoire là, lever tout. Il faut procès Petro-Caribé à les fêtes. Et la bataille là continue. Ça a son petit pas. Et nous remercions tout le monde qui contribue pour que nous fassions petit pas ça. Et nous devons dire la presse que l'engagement nous prend pour que la bataille là. Il continue pour que nous arrivions à une grande victoire sous question Petro-Caribé. Et nous féliciter Petro-Challenger, parti politique, société civile, tout le monde qui a continué la bataille pour justice 40 à peuple haïtien dans la question Petro-Caribé. Pour crime financier, ça n'a pas été impuni, mais crime de sang qui fait tout, crime de sang qui fait. C'est justement Jacques Dubois. C'est justement le crime de sang qui était fait dans Wikapoua. Pendant que tu as gagné des gens qui t'ont touché Kob, qui t'ont dû deal le chèque avec d'autres responsables et qui ont été tués parce que tu as pris le chèque. Moi, je pense que c'est extrêmement important pour nous souligner à la presse exactement la question ça, que l'engagement nous. Avec toute l'opposition, société civile, pour nous continuer la bataille sous question Petro-Caribé. Nous profitons de même occasion ça, au niveau de Haïti en action, pour que nous portions un petit coup de main par victimes. En plus, victimes dans la bataille Petro-Caribé. Nous avons M. Jacques Dubois qui mourit, mais nous avons Mme qui a gagné un petit petit qui doit aller à l'école. Que papa mourit dans la bataille là. Nous avons tout le monde qui est mort quand M. Fédé, qui est dans Carrefour. Vladimir Fédé, qui quitte un petit monde. Et nous dit que Haïti en action a aidé des petits monde pour l'école là. Il a aidé petite Madame Dubois, Madame Yoli Antoine. Et également Madame Néhémie Joseph, qui lui-même pour la coucher. Parce que pas oublier, le mari était mort, il était petit dans la et que nous avons aidé également dans ça. Et je dis à nous, coordonnateur l'Ouest, là, Haïti en action qui est là, que nous avons remis en enveloppe tout à l'heure pour le remettre à Mme Fédé. C'est Boiron, qui est coordonnateur l'Ouest, Haïti en action, que nous avons remis en enveloppe là. Il y a coordonnateur Nord et Centre, qui est M. Floud. Que nous avons remettre l'enveloppe pour remettre à monsieur, à madame Néhémie Joseph et un coordonnateur Nord là qui l'a tout qui va aller pour remettre l'enveloppe à madame Yoli Volsi Antoine. Nous faisons ça parce que nous croyons que jeudi à si nous avons dans la bataille là, il est tombé et que nous pas oublier. Nous passons fort que d'une façon ou d'une autre et nous inviter en pile l'autre groupe continuer aider parce que c'est la bataille. Pour le pays, c'est la bataille pour justice que vous-même vous êtes engagé, qui fait que vous êtes capable de la vie. Merci. Bon, enveloppe, c'est un débat qui va aider l'école. Nous parlons pour plusieurs raisons parler de Montaigne. Mais nous engagez nous pour nous aider Timounio jusqu'à ce que vous finissiez la classe terminale. Sénateur, nous croyons que nous parlons déjà
à plusieurs monde au niveau de Cour supérieure des comptes et ont dit nous que gagnent on t'y passe même on t'y correction qui vous faites dans le rapport là mais le rapport là pratiquement prêt et que yo même yo pour publier donc étant donné que j'ai information on attend puisque yo même yo dit son rapport qui finalisé déjà à 95%. Il n'y a pas de date pour cette publication. Il n'y a pas de bail date, mais il a dit de moment à l'autre, il a publié et moi j'ai parlé avec eux pendant le mois de juillet. Quelle est la position de Panama sur la reconstitution, c'est le mot, du CEP, du Conseil électoral provisoire? Rappelez-le, quelle structure invitée, il y a ça qui répond, il y a ça qui répond, mais quelle est la position de Panama dans le processus électoral, ça qui commence déjà? Pas de aucun secteur qui respecte tête, qui a voué monde au niveau de CEP. D'ailleurs, moi entendez, mon abba conférence a nommé nos secteurs dans la question propre. Il y a plein de monde qui est sérieux dans le secteur. Il y a plein de monde qui respecte tête. Je ne sais pas que vous allez rentrer dans la question ça. Parce que premièrement, vous connaissez. Pour gagner l'élection, normalement, il faut avoir un conseil électoral permanent. Pas un conseil électoral permanent. Donc, ça qui organise l'élection depuis 1987, son conseil électoral provisoire. Et l'air fait conseil électoral provisoire, ce n'est pas le secteur adressé. C'est accord de consensus entre eux, monde qui parle dans l'élection, ça veut dire pouvoir à parti politique là, qui désigne des secteurs pour voir monde. Donc je dis à secteur, pas gain à quoi qui désigne eux. Comment au monde non secteur capable à voir monde sans pas gain accord qui dit que ce secteur ça a voir monde. Dernière fois nous t'ai ouais que yo t'ai voir monde, c'était un accord qui était établi entre le pouvoir là et institution pour le monter en conseil électoral provisoire. Et yo te dit, mais qui secteur qui va le représenter dans ce pays? Et à partir de là, le pouvoir écrit secteur pour envoyer moun yo. Le président n'a pas aucune autorité. Laissez un conseil électoral provisoire pour écrire secteur lui-même. Parce que les élections, c'est l'affaire des partis politiques. Et que si pas un conseil électoral permanent, si son conseil électoral provisoire, faut que secteur yo yo joigne aval de partis politiques yo et de exécutifs yo. C'est pas la constitution qui définit comment vous mettez conseil électoral provisoire. Non, constitution est définie en seul conseil électoral provisoire. Ça qui t'est doué là pour que yo te mette, yo te fait élection avant conseil électoral permanent. Cependant, l'œil te fait là tant ça a désuet, l'illimité parce que secteur qui était là dans yo, c'est pas secteur ça qui là jeudi a et moi penser que nous, constitution, article ça, l'épuisé du fait que le dédit, c'est seul conseil qui vous dégaine avant le conseil électoral permanent. Sénateur Latortue, est-ce que vous-même, vous êtes le mandat président pour 2021 également 7 février ou sinon, si c'est vous? Non, ce n'est pas moi qui dis président pour aller 7 février 2021. Constitution, dans 134.2, il dit que, quel que soit l'heure que le président t'a prêté serment, si ce n'est pas 7 février, quel que soit l'heure qu'il t'a prêté serment, mandat supposé commencer courir le 7 février de l'année de l'élection, qui était 2016-2021, ça fait 5 ans. On a d'ailleurs participé à nos émissions dans Scoop, que ULCC écrit et Scoop pour demander bonne sonore, là, c'est que vous avez fait des révélations concernant ONA Femme. Est-ce que vous touchez les dossiers? Écoutez, moi je crois que m'a signé l'ONA, le directeur général, lui devant le tribunal. Moi je pense que l'avocat a gagné pour yo répondre, aller dans le tribunal et eux-mêmes, si vous avez dit aller dans le tribunal, même moi, assigné l'ONA et directeur là depuis le mois de juin 2020. Et je pense que le dossier en cours, comme dossier dans le tribunal, je ne vais pas parler de ça. Mais ça, moi, assigné justement parce que il y a un pile tractation, il y a un pile menti qui a fait. Et moi, je pense que, comme son est institutionnel, meilleure façon pour me battre là, c'est en dedans institution yo, parce que je dis à son seul AMK dit moi révolutionner production nationale là dans le pays, moi vini avec un ferme et que pas de monde qui a fait que je dis à nous pas continuer parce que le pays ça a besoin de production nationale pour nous sortir dans la gargote que nous avons. Et il y a longtemps que la classe moyenne a abandonné la production nationale là, je dis à nous recommencer. Pour toutes les autres questions, moi pense que comme nous a signé l'ONA et le directeur général, lui, parce que justement, il y a une question ça, il y a une réponse devant le tribunal. Sénateur, il y a toujours la même question, selon les informations qui nous parlent, je dis que il y a 4 ONA Pharma qui ont été faites maintenant, et nous-mêmes nous entrons dans la question de la position nationale avec le copier de l'État.
Sénateur La Tortue sont légal. Il n'y a jamais fait rien qui va légal. Tout ça m'a fait légal. Tout ça m'a fait de respecter la loi, la constitution et les contrats. Les contrats demeurent la loi des partis. Je ne vais pas dire plus, puisque moi-même, je dis, nous allons aller devant le tribunal, puisque là, il y a une question posée et qu'on est légal et qu'on est droit, eh bien, les corrects, on va aller de l'autre côté pour aller que devant le tribunal. Ok, vous avez une différence. Moi, je pense que l'avocat m'a donné plus d'informations, mais pour le moment, moi-même, tout le monde doit être courant, moi-même, son qui toujours une référence, la loi et la constitution. Et pendant ce temps, à côté de la loi de la constitution, nous sommes une compagnie qui révolutionne les questions de production nationale. Et moi-même, je pense que, après que la question corona est diminuée, j'ai invité tous les jeunes garçons, toutes les jeunes filles, toutes les universités à visiter le projet ça, qui s'est ferme la tortue, que nous avons une capacité de 150 000 œufs par jour et que je dis à nous continuer, et quelle que soit la persécution politique, quel que soit le sénateur la tortue est un homme courageux, il a pété au Caribe la bataille. Je dis à nous font pas, nous continuons la bataille et nous continuons la bataille, surtout pour le pays nous va chercher. Pour finir l'ordonnance, sénateur, qui est-ce qui a arrêté dans mon cité? Il y a des gens qui étaient déjà en prison. Il y a des gens qui étaient déjà en prison, c'est Yumi Toussaint. Et il y a côté lié, Antonio Jules était en prison, la gueule. Et puis, qui est l'autre monde qui est en prison? T-France, c'est T-France ainsi connu. D'accord. Qui est le juge d'instruction qui sortira le président? Emmanuel Vertilaire. Sénateur Louis Lacorture, vous avez 5000 débutants qui sont infirmes, qui t'a accusé sur le dossier Sato, que t'a pas. Smith Demetrius. Est-ce que non, Lina? Oui, Lila Dunn. Et juge l'a mandé pour également tout l'aller comme auteur et co-auteur d'assassinat et tentative d'assassinat. Qui voit le début de l'action encore? Ou alors que je veux dire que les lits qui gaz là, ils te mettent dans la chaise là, l'elfine baille gaz là. Et puis il sortit, et dès qu'il arrive dans la porte là, il voit le gaz là. C'est une action très planifiée pour te tuer sénateur là-dessus, sénateur Jacquito. Heureusement, bon Dieu sauve nous. Et si bon Dieu sauve nous, on va continuer la bataille. Ordonnance là, il sortit, et il va me garder la date là. Et il sortit. Alors, pas une date exacte que vous mettez là, mais il sortit en juillet 2020. Il a dit que c'est dans le mois juillet que je suis.